Bon, autant le dire d'entrée de jeu pour gagner du temps, tout ce qui va suivre est exceptionnel. Mes enfants, dans ce cadre exceptionnel, grand maître ici présent vous demande de sortir vos cahiers. Nous allons aborder un thème exceptionnel aujourd'hui, la liberté dans le chaos. Ah oui, ça c'est exceptionnel. Je suis pas sûr qu'on puisse passer là, non? T'es sûr que ça passe? J'ai pas envie de me retrouver. Ça passe. Oh, c'est beau. Ça attaque bien, là. Ça attaque bien, là. Et ça attaque super, les mecs, là. Il y a du graphe, là. Pourquoi vous continuez par là? Vous me laissez tout seul comme un compte? Putain. Remarquez, c'est l'habitude. À croire qu'ils entament une relation qui est friendly. Oh, c'est énorme. Wow, c'est énorme. Dire qu'ils m'ont fait passer par là, les salopards. Putain. C'est un lieu magique, ça. Un lieu urbex comme je les aime. Et là, pour le rush, il faut faire des cabrioles. Se baisser à donf. Et vu la souplesse du gobier, je peux vous dire que c'est une prouesse de haut vol. Voici donc le gang, le bang et le gant de la mort. Et le photographe professionnel, le spécialiste des friches, mon monsieur. Oh, c'est beau. Là, le BBX. Eh, c'est beau, ça. Oh, c'est énorme. Oh, la vache. Ah ouais, on est dans du lourd, du urbex, là. C'est énorme. Alors que je franchissais la porte vers la porte qui mènerait à ma liberté, je savais que si je n'abandonnais pas mon amertume et ma haine, je serais toujours en prison. Alors je continue à puiser au fil de toutes ces merveilleuses aventures humaines, toute la bienveillance qui nourrit ma liberté dans le chaos.
J'ai trop de désirs de liberté pour ne pas respecter celle des autres. Et c'est dans cette liberté que notre Team Urbex est né. Et que j'ai perdu ma Dulcinée. Désormais, mes mots sont ma liberté et mon envol vers les cieux de ma solitude. Si mon appareil capte là, il capte le paradis. Et je crois en Dieu. Pour la première fois de ma vie. Alors allons voir notre père. Un Dark Vador toi-même, bébé. Où est-ce que t'as vu un Dark Vador, toi? Tu verrais n'importe quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Ouais. Non, mais j'ai compris comment que ça allait se passer. Hein. Côté obscur, tu veux voir. Hein? Ah ouais, il est beau. Ah ouais. Oh ouais. Bibi, tu es quoi? Tu me dis que tu es quoi? Bah, je suis ton maître, je suis. Fout, fout, avec du PQ. Et voilà, chasse-po de Bibix. J'explique. Bon, t'as rien à expliquer. Non, y a vraiment rien à expliquer. Quand on est gamin, on dit mon père, il sait tout faire. Passé 10 ans, on dit mon père, il sait presque tout faire. Arrivé à 15 ans, on dit mon père, il me casse les couilles. Et aujourd'hui qu'on est père, on a encore des couilles pour faire les gamins. Faire les gamins, hein, il s'entend. Faire des gamins, ça, on a passé l'âge. C'est bien trop casse-couille. Alors, faut pas nous péter les grelots. De toutes les façons, personne ne pourra me retirer ma liberté dans le chaos. Sauf toutes ces merdes qui traînent par terre. Et puis j'ai un fil à la patte, putain. Et un truc qui s'est accroché dans mes pompes. Lequel? Ah non. Ah non, je crois pas. Bah, mais il est mis tellement ici partout, c'est drôle. Hein? Ici partout, c'est partout jamais. Attends. Faire gaffe. Il fait coucou à l'autre. Pourtant, il a pas une gueule à faire coucou, il a pas l'air sympathique celui-là. Ouais, et là, on se retourne, et là. Qu'est-ce que je veux? Oh, oui, bon, alors là, mon petit gars, là, le maître, s'est foutu un peu de ma tronche parce que faut le trouver là. Ah, ben, faut le trouver, mais. Oh, tu l'as trouvé, mon bébé. Il a dû en foutre partout qu'on les voit. C'est pas moi, c'est Yo. Yo qui a merci vu ça. Yo. Wow, merci, Yo. C'est super. Wow. Un petit Matrix. J'ai perdu le contrôle. Il est beau, mais c'est pas un éclos, ça. Par contre, je suis passé devant en faisant la presse. Ok, une découpeuse, tu me dis? Ah, tout à l'heure, c'était une presse. Maintenant, c'est une découpeuse. On n'arrête pas le progrès. Et donc, je suis passé devant tout à l'heure. Et j'ai pas vu l'essentiel. Bah, on y retourne, quoi. Comment qu'on fait? Aussi discrètement. Alors il faut l'aborder par là. Je crois que c'est par là qu'il faut l'aborder. Oui, il y a un putain de trou. Ouais, il faut l'aborder par là. Heureusement que ce sont mes yeux, ces mascaras-là. Sinon. Avec la signature du maître. Oh là là. Son si célèbre flop. Va pas tomber, Tater. Va pas tomber, mon camarade. Oh là. On a l'impression que le feu est encore là.
C'est époustouflant, c'est énorme, c'est exceptionnel, bah c'est toujours... Ma liberté dans le chaos. Ce sera toujours et encore... Ma liberté dans le chaos. Ma liberté est folle, mais ne rend jamais bête. Quoique parfois... Mais grand maître, quelle est donc cette secte étrange? Ah, vous le voyez bien, mon fils. C'est la secte des insectes. Sauf que l'araignée fait partie de la secte des arthropodes, comme moi, des arthrosés. Et Bibix en est tout névrosé. Monsieur... Quand vous touchez à ma liberté, vous touchez à ma vie. Alors regardez-y à deux fois avant d'y toucher. Sinon moi, je vous rectifie façon rectale. Et du rectal à l'anal, il n'y a qu'un trou de balle. Dans lequel résonne qu'un cas et qu'un cas en mode pipi gaga. Tu me disais, Bibi, que c'était pas bon d'aller chier là-bas? Ah non, c'est pas terrible. Bon, bah j'y vais quand même. Parce que j'ai envie. Alors, quand on a envie, il faut y aller quand même. Hop. Déjà, pour aller au chiottes, faut avoir envie, hein, parce qu'il y a des obstacles. Où c'est que sont les chiottes? Là. Et qu'est-ce qu'il y a dans les chiottes? Ah bah oui, effectivement. C'est énorme. Au bout du bout, l'urbexer est un peu le proctologue de sa propre liberté. Eh, on va vous trouver, bande de bâtards. Rajoute un D au bout. Et un essaye encore. Mais on va surtout trouver la perle rare. C'est énorme. C'est énorme, monsieur. C'est énorme. Comme cette gueule à fioul. Comme les muscles saillants des urbexeurs chevronnés. Putain, j'allais là-bas, mais j'ai vu une tête de mort. Ou peut-être tête de mort, mon monsieur, une tête de mort dans les guéquets, là. Alors moi, je pense sur un rocher, sur la tête de mort. Comment qu'on fait? On passe dans la merde, mais on y passe quand même, nom de Dieu, on passe de partout. On passe en éclat de tout. Oh putain, tête de mort. Tête de mort, tête de mort. Parce que moi, sur le terrain, je réfléchis comme un CRS, hein, je tape dans le temps. Ouais, rien de marrant. C'est là-haut. Eh bon, tu crois que c'est le seul à pouvoir le faire, ça, une grosse chose? Si, je sais le faire.
régresser. Et hop, rectifier, circuler, y'a rien à voir. Cours après tes dents maintenant, gros gland. Ombres chinoises. Les fils partout, putain. C'est quoi ce merdier? Y'a l'araignée là ou quoi? Spider-Man? Et vous avez failli me péter sur la gueule? Avance. Mais tu t'arrêtes avant ça, s'il te plaît. Marche pas dessus. Tu t'arrêtes avant ça, tu peux regarder à gauche, s'il te plaît? Je sens l'œil du maître. Oh la vache! Hein? Bah évidemment que je l'ai vu! Mais j'ai mis de temps avant de le trouver, l'enfoiré! Hein. Eh, les mecs, restez là! Vous êtes pas un peu foutus de ma gueule là? Hein? En me disant, y'a un nez close! Y'a un nez tout court! Oh, il est beau! Ah ouais, attends, tu remontes, t'as les yeux, mon petit pote! Là, regarde ça! Oh, c'est énorme, monsieur! Et on dit merci qui? Merci Bibix! Merci ouais. Yo! Attends, Yo! Il y en a un autre, non? T'es allé là-haut, là, par l'échelle? Ici, c'est des vrais beuglards. M'en veux-tu passer inaperçu? Putain. T'es à 300 mètres des habitations, évidemment. T'as des putains de beuglards dans la... Allez. Bon, bah, on a fini, je crois, non? Il nous reste à faire. Putain, le plastique, c'est dommage. Allez. Cadeau, c'est en ferraille. C'est en plastique. Ouais, je la garde. C'est fait un souvenir, c'est en plastoc. Ça aurait été en fer. Ouais, c'est pas en pointe, c'est là, comment ça s'appelle? Là? La tâche? Ah oui, t'aurais pu trouver un mot un peu plus savant. Hein? C'est pas très savant ton truc. Hein? Moi ouais, j'aime bien quand ça fait un petit peu savant. Mais... Là, ça vend s'aventurier de merde. Allez, c'est parti, je rush la rivière. Je rush la rivière à l'étage. Voilà, là c'est bon. Ma liberté, je la trouve ici, peut-être. Dans ces univers faits de machines, de roues, de grands espaces. Ma liberté, c'est mes pulsions, c'est mes désirs, c'est tout ce que je souhaite dans la vie. Et ma liberté de penser renaît et se vivifie, où commence toute tentative de l'étouffer. On est un couple parfait, moi et ma liberté. Alors peut-être est-ce pour cela que toutes les autres aventures que je tente se heurtent à des murs. Il n'y a aujourd'hui pas la place à d'autres aventures qu'entre elle et moi. Aussi bonne soit-elle. Non,
aucune place pour personne. Sauf... Ouah, au fond du champ, il y a une petite tête de mort. Une tête de mort, je vais aller voir la tête de mort, là, je veux une tête de mort, tête de mort. Au bout du mur. On sera libre. Quelle fadaise. Dès qu'on sort de ces grands espaces, notre liberté n'est qu'une soirée. Et au bout du bout, c'est nul à chier. Au bout du bout, c'est nul à chier. Philosophe de merde.